Bienvenue dans votre émission Le pouvoir de l'espérance. Depuis le début de la saga, vous avez eu l'occasion d'aborder différents sujets qui, je l'espère, vous ont éclairé. Comme à l'accoutumée, nous débutons en musique avec le titre Tu es ma force, interprété par Ryan Labiche et Ruby Battery. Tu es la source de mon bonheur, tes bontés me rassurent. Nul n'est comme toi, Seigneur, je t'aime. Ton amour n'a pas de fin, malgré toutes mes erreurs. Tu manifestes ta bonté sur tes enfants. Dieu, source de bonté pour moi, tu combles ma vie. Pour moi, tiens, tu es ma force. Tu es la source de mon bonheur, tes bontés me rassurent. Nul n'est comme toi, Seigneur, je t'aime. Merci Ryan et Ruby pour ce très beau chant qui me rappelle une citation de Daphné du Maurier, « La fontaine de l'espoir ne tarit jamais le cœur des hommes ». Tout de suite, votre étude biblique avec le pasteur Eddy Michel Carpin. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne.
Amis téléspectateurs du Pouvoir de l'Espérance, nous sommes heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour ce partage de l'espérance contenue dans la Bible, la parole de Dieu. Nous remercions également notre présentatrice pour ses paroles d'accueil. Merci également à chacun pour votre présence ce soir. Lorsque nous observons le monde autour de nous, nous pourrions penser que tout fonctionne à partir d'un plan bien arrêté. Il y a le cycle du soleil, de la lune, le cycle des jours, des mois et des années, la naissance et la mort. Il y a aussi le cycle du renouvellement de la nature avec les saisons. À une période de l'année, les feuilles sèchent, tombent, puis se renouvellent. Connaître ce cycle nous permet de nous organiser. Par exemple, lorsque nous entrons dans la période cyclonique, nous faisons des renforcements pour nos maisons. Les services publics nettoient les réseaux d'écoulement d'eau et font également l'élagage pour les arbres qui pourraient être dangereux pour la population en cas de tempête. Il y a aussi le cycle du dioxyde de carbone, le soleil, l'eau, les plantes, pour produire de l'oxygène. Vous vous rendez compte, chaque jour, il y a un cycle incroyable qui se met en place pour que nous ayons de l'oxygène. C'est ce que l'on appelle le phénomène appelé photosynthèse. Ces cycles qui organisent nos vies, qui se font sans même que nous en soyons conscients, semblent nous dire que rien ne change réellement, que l'horloge qui nous gouverne peut continuer à tourner sans s'arrêter, sans qu'aucun grain de sable ne vienne et interrompe ce cours. Au-delà de ce fonctionnement harmonieux et des lois qui maintiennent la vie et le fonctionnement de notre planète, savez-vous que Dieu a un projet pour nous, les êtres humains? C'est un plan chargé de paix et d'espérance. Dans le livre du prophète Jérémie, Dieu dit ceci, Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formulés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie était un homme de Dieu qui a vécu à l'époque où le roi de Babylone avait envahi la Palestine et il déporta le peuple d'Israël biblique vers d'autres territoires, dont celui de Babylone. Cette parole de Dieu s'adressait évidemment à ceux qui étaient déportés dans une terre étrangère et qui perdaient tout espoir de retour dans leur territoire natal. Par ces paroles, Dieu invitait les déportés à ne pas perdre courage malgré la victoire de l'ennemi babylonien. La perte de leur territoire n'était qu'une vue à court terme. Dieu, lui, avait la solution. Il savait que l'exil ne durerait pas toujours et qu'il rendrait le cœur des futurs rois de Babylone, puis de la Perse, plus clément envers le peuple et que ce dernier reviendrait reprendre possession du territoire de la Palestine. À la lumière du Nouveau Testament, nous comprenons que cette parole ne peut s'adresser uniquement au peuple d'Israël historique. Bien au contraire, elle s'applique plus globalement au plan de Dieu pour l'humanité entière. Oui, mesdames et messieurs, le Dieu de la Bible a un plan merveilleux pour notre planète, un plan de paix et non de malheur. Le livre de la Genèse nous rapporte que Dieu créa les cieux et la terre, qu'il y plaça les arbres, les plantes, les animaux, l'eau, les astres et bien sûr les êtres humains. Au départ, la création de Dieu était parfaite. Aucune trace de souffrance, de dégradation, de haine. La paix et l'harmonie régnaient partout sur la planète Terre. Jusqu'à ce que son opposant, Lucifer, certainement vous vous souvenez de lui, vienne séduire Adam et Ève et y jette le chaos total. La souffrance, la rébellion et la mort firent leur apparition avec cet imposteur.
C'est alors que notre monde entra dans un état de non-vie. Face à ce chaos introduit par l'homme qui accepta la politique de Lucifer, Satan, le diable, le serpent ancien, Dieu n'abdiqua pas. Il ne laissa pas les êtres humains à leur triste sort. Au contraire, il se mit à leur recherche alors qu'il s'était caché de lui. Le texte de la Genèse, dans le chapitre 3 et les versets 9 à 10, nous rapporte un petit peu ce qui s'est produit juste après que l'homme et la femme aient pris ce fruit défendu. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » L'homme répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » Non, Dieu ne les a pas recherchés pour les gronder ou leur faire la morale. Dieu les a recherchés car il voulait leur redonner espoir. Il voulait leur proposer son pardon, sa réconciliation. Dieu savait que nos premiers parents avaient enclenché un processus irréversible. Il savait qu'Adam et Ève étaient incapables de s'en sortir tout seuls. Alors, il s'engagea auprès d'eux et leur fit une merveilleuse promesse et leur présenta un plan infaillible, un plan de reconstruction de l'humanité. Ce plan se résume en quelques mots dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, le verset 15. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Notons dans ce texte que Dieu s'adresse non au serpent, l'animal, qui fut utilisé comme une marionnette, mais bien au véritable instigateur de la tentation et de la désobéissance de nos premiers parents. Ce dernier est dévoilé dans sa pleine identité dans le livre de l'Apocalypse et nous avons déjà eu l'occasion de parler de lui. Il est présenté comme le serpent ancien, Lucifer, le diable, Satan et le dragon. Aussi, à la lumière de la venue de Jésus, nous comprenons que ce texte de Genèse chapitre 3 verset 16 représentait déjà le conflit entre Jésus et Satan, un conflit qui conduirait à la blessure de l'un et à l'écrasement de la tête de l'autre. Ce plan était que Jésus vienne lui-même, le Créateur, faire corps avec nous, connaître nos souffrances, nos douleurs et la mort pour nous délivrer du pouvoir de notre ennemi et de son ennemi, Lucifer. En effet, le point culminant de ce conflit étant la mort et la résurrection de Jésus, écrasant ainsi définitivement la tête du serpent. Lisons ce qui suit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, les versets 14 et 15. « Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même, c'est-à-dire Jésus, l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux qui, par peur de la mort, retenaient leur vie durant dans l'esclavage. » C'est une véritable bonne nouvelle. L'espoir est permis, mesdames et messieurs. Oui, nous comprenons beaucoup mieux ce plan merveilleux dont parlait le prophète Jérémie. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cela veut dire que ce plan se projette également dans un avenir. Jésus, donc, est venu pour changer le cours de notre histoire. Il est venu pour terrasser celui qui nous maintenait dans l'esclavage de la mort. Il est venu comme libérateur, comme notre Goël, notre proche parent, notre jumeau. J'appelle cela de l'amour. Je crois que nos cœurs se réchauffent en pensant que la mort est vécue, n'est-ce pas? Oui. C'est la vérité de Dieu pour vous aujourd'hui. Jésus est venu. Cela ne fait aucun doute. D'ailleurs, notre manière de compter le temps,
On dit aujourd'hui d'ailleurs, 2022 après Jésus, nous donne une indication que Jésus est venu. Jésus s'est incarné et il a accepté d'aller jusqu'à la mort pour nous montrer qui il était vraiment. Non pas le Dieu de la violence, pas le Dieu de la souffrance, pas le Dieu de la mort, pas le Dieu de l'injustice, pas le Dieu de l'oubli, mais le Dieu qui se donne, le Dieu qui accepte d'être flagellé, moqué, cloué sur une croix. Oui, c'est bien lui, Jésus, et il l'a fait par amour pour vous et pour moi. Il a fait pour vous donner espoir. Il a fait car vous avez une valeur inestimable à ses yeux. D'ailleurs, lorsque Jésus rendit son souffle à la croix, des événements spectaculaires se produisirent. L'évangile de Matthieu nous rapporte ce qui suit dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 27, les versets 50 à 54. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs croyants qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Ces résurrections montrent que la mort de Jésus a un sens. Elle signifie quelque chose. Elle n'est pas comme toutes les autres morts des êtres humains. Paradoxalement, la mort de Jésus n'annonce pas sa défaite, mais sa victoire sur la mort. Et elle annonce aussi la victoire sur la mort pour tous les croyants. N'est-ce pas là où se trouve la véritable espérance ? Savoir qu'il y a en Jésus la solution sur la mort. Jésus fut mis au tombeau et plusieurs personnes vérifièrent qu'il y était bien. Mais le dimanche, au petit matin, lorsque les femmes qui avaient préparé des aromates afin d'embaumer le corps se rendirent au sépulcre, elles constatèrent quelque chose d'inhabituel. Les témoignages disent que lorsque les femmes arrivèrent au tombeau le dimanche matin, elles trouvèrent la pierre qui était roulée et le tombeau vide. Jésus n'était plus là, il n'était plus dans le sépulcre, alors que les soldats avaient été placés justement à l'entrée devant la pierre pour que personne ne vienne dérober son corps. Les soldats, les femmes, puis les disciples furent les premiers témoins oculaires du tombeau vide. Mais le ressuscité ne resta pas longtemps caché. Il se présenta aux disciples à plusieurs reprises et se montra également à plus de 500 personnes, selon l'apôtre Paul, pour nous montrer que la mort avait été vaincue et nous donner la preuve qu'il y a une solution à la mort. Cette bonne nouvelle est au cœur du pouvoir de l'espérance. La mort a été vaincue à la croix et la résurrection de Jésus en est la preuve. Mais le plan merveilleux n'est pas encore à son paroxysme, car vous et moi, nous connaissons des personnes qui meurent chaque jour. Cette dernière est belle et bien présente. Alors, pourquoi, puisque la mort a été vaincue par Jésus ? Dans l'évangile, selon Jean, Jésus dira, Jean chapitre 14, versets 1 à 3, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » La troisième partie du plan de Dieu, c'est qu'après avoir solutionné le problème de la mort et offert aux hommes et aux femmes la possibilité d'y adhérer, Jésus revienne pour mettre un terme définitif à ce chaos dans lequel nous sommes encore plongés.
La seconde venue de Jésus est la fin de cette vie avec tout son cortège et elle marquera le début d'une nouvelle vie. C'est l'espérance pour chaque croyant. La fin du monde que nous connaissons, elle est ainsi décrite dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20 et 21, en ces mots. Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète. La mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et le séjour des morts rendirent ainsi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés écrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Et il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Le plan, c'est de mettre fin à l'existence de Satan, mettre fin à la mort, mettre fin à tous ceux et celles qui auront suivi le chemin de rébellion contre Dieu. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Vous et moi bénéficions de la patience de Dieu afin que nous fassions le choix du plan de Dieu. Accueillons ce plan merveilleux et plein d'espoir. L'apôtre Pierre, d'ailleurs, nous dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Mesdames et messieurs, Dieu a un plan et son plan est infaillible. Plusieurs points de ce plan sont dans le passé. Ils se sont réalisés comme Dieu les avait annoncés. Je vous invite ce soir à tirer profit de la patience de Dieu, afin de lui remettre votre vie présente et à venir entre ses mains, car il veut le bien pour chacun de vous. Il veut le meilleur pour vous. Pensez-vous que la suite du plan de Dieu se mettra en place? Pensez-vous que Jésus reviendra mettre un terme à la souffrance, la maladie, l'injustice, la violence et la mort? Êtes-vous prêt à vivre le prochain retour de Jésus? Afin de répondre à ces questions, je vous propose de revenir demain soir. Ce soir, j'ai quelques livres à vous offrir. Les 20 premières personnes qui appelleront recevront ce magnifique livre, L'Ultime Espérance. Appelez dès à présent au numéro gratuit qui s'affiche maintenant. Soyez les premiers à appeler. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. N'oubliez pas, Dieu a un plan infaillible pour nous sortir de la situation de détresse dans laquelle nous sommes. À demain, Dieu voulant, même heure, même chaîne.